C'est normal, c'est normal, voilà. Allez, allez, 75-51-10, surtout la prudence, parce que la route est un peu vide, hein, ça. Salut, bonne journée, voilà, bye bye. Les 73 à toi, de l'U33, merci pour les infos de la route. Ouais, 73 à toi, comment ça va? Eh bien ça va, aujourd'hui là je suis en repos, donc tout va bien. On marque hier après-midi aussi. Eh bien c'est bien, t'as raison d'en profiter, écoute. C'est pour ça, c'est évident, il a réussi à l'avoir reposé tout ça. On ne profitait pas de lui, parce que 8h40 de vous là, je vois que tu dois être poli, non, je me trompe. Oh, tu sais, il arrive parfois que je traîne un petit peu en arrivant. Mais bon, c'est vrai que en 8h40, ben, ces derniers temps, là, j'allais sur Cadejac, là au sud de Bordeaux, et le temps de rentrer et tout, oui, j'étais pas au 144 avant 9h. Hein. Ah bah ouais, je m'étonne, ouais, ça fait un petit poil de route, ouais. Ah, mais, bah, c'est comme ça, avec les poids, dans le sens inverse, je vais travailler. En ce moment, j'y vais pas souvent, je travaille beaucoup à la maison, mais bon voilà, le patron il a dit Hugo, j'ai besoin de toi demain, donc il va venir, hein. C'est pas grave, hein. Donc voilà, tranquille. Moi ça fait plusieurs centaines, écoute, ça fait pas souvent de ce que je t'entends en fréquence, je sais que t'es là, parce que je vois les vidéos tout ça tourner, je me dis bordel, quand est-ce que j'arrive à le choper? Eh bien, si ça te dérange pas, là, je suis en train d'en faire une. Ah ben, il n'y a pas de problème, la 73-51, à tous les oreilles qui verront la vidéo, voilà. Comme quoi, il y a du monde sur le 19, hein. Bon, dès que je prends la voiture, je donne les infos sur la circulation, là, sur le petit bout de rocade et des L89 que je prends. Et puis, voilà, comme ça, régulièrement, ça fait du bien à la fréquence, hein. Oh oui, c'est sûr, là pour le coup, t'as tout compris, oui, c'est clair. Hein. Et c'est comme ça qu'on réveille un peu les stations là, qu'il y a derrière, que ça les incite à prendre le micro. Je vois le dernier coup, ben justement, tiens, en débouchant de Cadejac. Attends, je viens de dire à Daniel Senteur que j'étais en QSO avec toi. Là. Voilà, tac, ça, déconnexion. Ouais, je vois je crois que c'est le dernier coup. Ouais. Je débauchais de Cadejac. J'attrape l'autoroute de Toulouse en direction de Bordeaux. C'était d'entrée le merdier. J'ai de suite averti, passé le message en fréquence et tout. Eh bien, ça réagit. Hein. Alors que juste avant ça, c'était le silence radio. Ah, c'est normal, c'est du monde. C'est bon ça. On parle un petit peu dans le vide, on entend les gens qui racontent. C'est sympa. Enfin bon. Mais c'est arrivé une fois, c'est quand même marrant parce que les fréquences d'appel, c'est assez rigolo. Une fois, je lance un appel ou un truc comme ça, il y a quelqu'un qui répond. En fait, c'était quelqu'un qui s'est posé dans ce département-là, il y a un petit coup de propage, tu vois, alors j'en profite. Et puis, il n'y avait rien sur la fréquence, hein. Il n'y avait rien à part le deux. Et puis, c'est là qu'il s'aperçoit que les fois qu'on se fait engueuler, qu'on squattait la fréquence d'appel. On n'entendait rien jusque là, il suffit qu'on s'attarde un peu, qu'on fasse un peu d'animation, on se fait engueuler, donc c'est pas grave. Allez, bon, ça marche. Moi j'arrive à destination là, mon petit Rémi, donc je vais te dire de passer QRT parce qu'il y a une grosse journée qui s'annonce, voilà. Bien ça. En tout cas, ça me fait bien plaisir de poser un petit peu là, si c'est un peu plus. Je vais bien que lui, il y a une vidéo derrière, je viens de percuter là, je vais faire un petit blanc et puis je vais retourner le micro. Ok, non, j'ai rien entendu de mon côté. Hein. Ok, les bonnes 73-51 à toi et bonne journée. Demain, vendredi, je devrais être là, hein, normalement. Ça devrait être bon, puisqu'après, je travaille ici le week-end en journée. Donc, ouais, demain, ça devrait le faire. Ok, bon pour à toi, à la prochaine. Ok, ça vous a rien entendu non plus, j'ai cru. Bon, c'est pas grave. Mais écoute, ouais, en fait, si j'ai l'occasion de t'entendre et de moduler avec grand plaisir, il n'y a pas de problème, voilà. Allez, bon, on va aller bosser un petit peu, hein.
La France en a besoin, assis. C'est tout beau aussi. Allez, bonne chance à 50 à toi, Rémi, et passe une bonne journée, repose-toi bien. Et puis, une bonne amitié aussi aux stations, qui sont en fréquence, c'est derrière. Voilà, la bonne route au routier. Allez, ciao. Ok, merci, bye bye. Alors, nous sommes restés un petit peu sur le 19. Ah, voilà, j'ai entendu quelque chose derrière. Alors, ça n'est pas pour foutre le bazar, contrairement à ce que certains peuvent penser. C'est juste pour montrer qu'on est là. Oui, la station des 2351 de Dundee 33, là, au QRA, là, sur Sainte-Colombe. Ça passe plus, là, de mon côté. Eh ben, il n'a pas fallu changer beaucoup pour trouver un niveau du monde. Ah, moi 82 sur la CB. Vu le bruit, ça sent FM. Ah, ça passe un peu mal. Non, je sais pas, mais comme tous les soirs, quand tu nous dis, bon, allez, à ce soir, on vous voit à demain. Et ça m'est arrivé à t'entendre le soir, voilà, avec Laurent ou avec je sais pas qui. Du local et des petits locales, des grands locales, voilà. Bon, tu trouves toujours des transistors, tu les palopes, Michel, à toi. Là, c'est peut-être plus... Oui, c'est les routiers charentais là qu'on entend là. Alors, cette fréquence affichée correspond au canal 17. Du monde, les 73 la station de la part de Dundee 33, je viens d'entendre dans le lointain. Ah oui, la station qui est venue, c'est
voilà. Je prends pour ton compte, alors au cas où tu n'aurais pas les fréquences, je vais te dire le canal, c'est le canal 17, pas de problème, c'est parti pour moi. Ouais, c'est parti pour moi. Ok, d'accord, les 73-51 de Dandy 33 en QTH Sainte-Colombe entre Saint-Émilion, question la bataille. Donc c'est plus. Je suis limite Dordogne. À côté de la route de Libourne-Bergerac. Voilà, juste à côté de question la bataille. Ah, je l'entends pas. Je dirais pas ça, non, pas vraiment, non. Hachi, les 73 Hugues, mais là, c'est vrai que là, ce matin, là, c'est vraiment pas ça, là, de mon côté. En plus de ça, au niveau local, il y a zéro propag. J'ai en même temps, on va dire, zéro de QRM aussi. Mais bon, non, ce matin, ça n'a pas l'air de vouloir le faire. C'est ça. De Bordeaux, d'après, il va falloir arriver ici, mais à quoi? Ah ouais, il va arriver ici, mais j'ai une radio aussi bonne que celle de mon voisin qui est là, quand il est chez moi. Aussi fort, je sais pas ce qu'il y a eu. Il devait avoir un peu de vitamine derrière. Alors d'abord, oui, les RE 14, les RE 73-51 à 14 km 33-05, de 14 km 33-01. Oui, affirmatif, dans le push, j'avais de quoi donner la main un petit peu derrière. Voilà, effectivement, et puis en plus, hein, quand on passe directement là sur un pont, hein, comme tu le sais, il n'y a pas mieux comme endroit, hein, pour arroser partout. Hein. Ouais, effectivement, dans le push, là, j'ai un Lycon 2. Plus un petit Zetagi là derrière qui m'aide bien. Disons que le but de l'Alpha Lima que j'ai derrière, c'est d'avoir la même portée que les stations fixes. Voilà, je cherche pas plus. Donc je le fais travailler qu'à 50%, voilà, pas plus quoi. Non, hein. Mais avec nous, on a déjà contacté là. Je ne peux pas dire ce que tu dis le matin. T'es arrivé de trop là et tu m'as expliqué comment tu fonctionnais.
avais dit, mais j'ai mon frère là-bas, c'est un artisan maçon, tu le connais, peut-être pas, vous êtes peut-être pas parlé, mais tu le connais de visu, voilà, il est là-bas, c'est de Colombe, là. Ouais, nous sommes déjà contactés, là. Un matin, il y a eu une conversation du tonnerre, après une conversation, comme tu m'appelles, d'ailleurs, là, ça passe bien, parce qu'il n'y a pas de QRM, alors ça passe super bien. Voilà donc le guide qui est de retour du Colombe, je suppose, à toi. Ah, je suis en repos aujourd'hui, c'est 14 km 3301 one à la fin, Hachi 01. Ouais, je suis en repos là, hier, aujourd'hui, donc j'en profite un petit peu, quoi, voilà. Et je pense, oui, connaître l'OM. Si c'est dans la partie basse de Saint-Émilion, par là, dans les environs, je ne vais pas être trop précis non plus. Il a un fourgon blanc. Je pense savoir qui c'est. Ouais, donc il me connaît. Oui, il habite dans le village, lui. Il habite dans le village, il a une maison sur un étage, là. Oui, je crois qu'il y a un fourgon, oui, il a un fourgon. Mais là, il est en train de prendre sa retraite, là, maintenant. Il est en train de prendre sa retraite. Son prénom est Jean-Pierre, son prénom. Voilà, et puis son nom commence par un M, comme Mike. Voilà. Oui, non, vous connaissez, je pense. Et lui, il est dans le village. Il est dans le village, là, et puis, il a un camping, là, et puis, je pense. Oui, voilà. Mais nous sommes déjà contactés. Là, et puis on avait discuté, je crois, je sais pas. Bon, alors j'ai récupéré 33 heures, le premier du réseau, du kilomètre. Ouais, ok, donc je dis, bon, mais voilà, c'est retour de pro, là, ça fait penser à cette année ou quoi? Ou ça a été calmé, ça a été calme, je dis, comment a été le pro, l'année passée, là, à toi, lundi. Ah non, là je suis en repos, hein. Mais le dernier coup que tu m'as entendu avant-hier, là effectivement j'étais au pro. Alors je vais en ce moment là du côté de Cadojac, hein. Bon, tu devines que je serai pas plus précis. Là où je vais, c'est assez compliqué. c'est assez compliqué, c'est une vraie fourmilière. Et en plus de ça, avec les règles sanitaires qu'il y a en ce moment, c'est très compliqué. Et pourtant, il faut que ça le fasse quand même pour être sûr que le site où je suis ne ferme pas à cause d'une personne, quoi. Ouais, bien reçu, Andy. Il est bien reçu pour ça. Ouais. Bon, c'est plus tard, la première fois, j'avais été surpris. Je reviens à ce geste qu'il y a deux ou trois jours, là. Je t'ai entendu là, tu m'as arrivé ici à tout café là. Je suis Eric Larsen. Larsen, ouais. Ouais. Et alors tu disais que tu t'en allais à direction le quartier de la bataille. Ah, j'ai dit là, quartier de la bataille. Je connais un peu parce que je suis né là-bas. Je suis né à quartier de la bataille. D'ailleurs, mon frère, le chef de Colombe, est né en Lamor, évidemment. Ouais, il est né en Lamor. Voilà, donc voilà, bon, je me suis dit, ça m'a dit quelque chose, cette colombe aussi, évidemment. Voilà, mais cette colombe est étendue, donc c'est pas dans le village, quoi. Voilà, bon, allez, écoute, c'est un peu ça, merci pour le jeu, parce que j'ai appris mon corps. Après, d'ailleurs, avant de passer notre vie derrière le micro, mais je savais pas, j'avais bien plaisir d'entendre des prochains bureaux, comme ça. Voilà, donc je te remercie pour le contact, Dundy. On aura l'occasion probablement de se recontacter. Et puis je te souhaite une excellente journée. Rencontre-toi bien et puis de toute façon tu comprends aller te balader comme ça rapidement parce qu'avec le double X à ce moment-là, ça nous a peut-être voir ici, je suppose que c'est toi c'est pareil. Donc l'idéal c'est de rester à l'abri. Voilà. Allez, Dundy, je te retrouve le micro, je passe à qui après. De Michel 14, Mike, Roméo Victor, 133. Voilà. Le micro à toi, donc Dundy.
Merci pour le retour de micro. T'as juste faire un petit report là vite fait comme ça là avant de passer en QRT. Bon, c'est une bonne radio de 4 hein, de mon côté. Et le signal oscille entre un demi-point et un point. Donc c'est vraiment pas épais de mon côté, mais le principal c'est qu'on arrive à s'entendre. Ok, les 73-51 à toi, ainsi qu'à 14 km 33-05. Et bonne journée à vous deux. Ok, donc je vais passer le micro, ça l'a eu, et je vais passer le micro en carré. Et donc c'est toujours après ça. Ah, il est pas là, merci. Voilà, bon, mais ok, samedi. Merci, bye. Effectivement, je vais rester à l'abri vu le temps qu'il fait, vu le WX qu'il y a dehors. Merci, bye. Ok, merci. Ah, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Quand quelqu'un se signe dans la fréquence, eh ben on lui répond. C'est pas une contrainte, c'est avec plaisir, ce qui permet d'échanger, parce que la CB avant tout, hein, c'est fait pour se parler, voilà, tout simplement. Alors ceux qui pensent que c'est un autoradio, non, sur la CB, vous avez un micro là qui est livré avec, il faut pas hésiter à l'utiliser. On appuie sur le côté, voilà, là, il y a une pédale ici sur le côté, on appuie dessus, c'est magique, ça passe en émission, et il suffit de cracher dans le micro. Non, je plaisante, de parler dans le micro, et relâcher, bien entendu, pour écouter ce correspondant. Je comprends ce qui est à toi.
Il me semble pas l'avoir entendu. Ah ouais, Denis, il va savoir t'avoir entendu tout à l'heure. Oui, les 73-51, oh oui, affirmatif. Ah, ok. Ah, j'ai pas si tu me réponds. Je sais pas, peut-être que tu réponds à quelqu'un d'autre, c'est Michel. 14 Mike Romeo Victor, 33, nous sommes contactés tout à l'heure. Ah, je sais pas si tu réponds, si tu me réponds, moi, une station. Si tu veux une station, ok, ok. Ah, chie trois coups, affirmatif. En plus, j'étais plongé dans un truc là sur le PC, j'étais concentré dessus, j'ai pris le micro machinalement. Il y a des réflexes comme ça. Ok, bon QSO, à plus tard. Ah, chie. Oui, oui. La maison n'a pas bougé depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Bon, tant mieux, il n'y a pas un tremblement de terre, tant mieux pour toi. Bon, reste bien à l'abri parce que, monsieur, c'est ça. Ça va tomber, je te fais chez toi aussi. Eh oui, allez, je te laisse. À plus tard, je replonge dans mon truc. Hachi. Ok, allez, à la prochaine. Réunion. Et de la propague. Alors, voici une petite démonstration de la CB en longue distance. Sud-Ouest de France, département 24,
Depuis n'importe quel poste d'ICB ayant les modes USB, NSB et bien sûr étant débridé, vous pouvez venir. Là, on est alors 27595. Qui correspond au canal alors, 15 alpha, si je ne me trompe pas, en supérieur. On vous constaterait que la façon de parler est un petit peu différente hein, des 40 canons normaux. Alors là, on est vraiment dans le domaine de la CB loisir. Ouais, donc voilà. Ok, et donc là, pour les contacts, à la différence des 40 canaux, c'est que là, on va à la pêche. Normalement, on devrait, pour lancer appel, si on prend modèle sur les 40 canaux normaux, là, en supérieur, on devrait aller soit sur le 4 sup ou le 12 sup. Fréquence 455 pour le premier, 27555 pour le second, et lancer appel. Mais il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau-là. On peut se mettre sur n'importe quelle fréquence et lancer appel. Car les utilisateurs de cette plage de fréquence, là, qui est les canaux supérieurs, naviguent un peu partout et ils vont à la pêche au contact. Ça passe encore un petit peu.
Alors pour donner une idée, là je suis sur le sud-ouest de France, dans les environs de Saint-Émilion par là. Bon là c'est quand même l'île de la Réunion que là vous entendez. Alors dernièrement certains ont eu l'Australie, l'Amérique du Sud, tout ça. Parfois, il y a le Québec aussi qui passe. Hop, là, il est parti aux oubliettes. Alors, pour expliquer vite fait, comme ça, tout en faisant simple, cette propagation des ondes là, qu'on vient de voir là, à l'instant même fonctionne avec l'activité solaire. Donc, rien à voir avec la température du soleil, mais avec les éruptions solaires. Bon ben voilà, c'était court mais c'était bon. Alors, quand c'est court comme ça, on appelle ça du sporadique. Parce que dans 5 minutes, ça se trouve, on va le rentrer à nouveau. Quoi.